Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalture.com pour évoquer la réunion de gala de ce dimanche 8 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous aurons également une réunion de qualité consacrée aux sauteurs sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On revient sur Vincennes, le Quintet Plus, le prix de Lille, traditionnel quintet de ce début d'année à Vincennes. Une épreuve de qualité, remportée d'ailleurs par le passé par un certain Royal Dream, futur vainqueur de Grand Prix d'Amérique. Mon préféré pour cette course sera le numéro 9, Call Me Keeper, qui vient de se produire pas plus tard que la semaine dernière dans le Prix de Bourgogne, épreuve préparatoire et qualificative à l'épreuve reine du calendrier au trot. Ce jour-là, Call Me Keeper a été la note. Il a terminé avec David Entresources, terminant son parcours derrière des chevaux qui l'empêchaient de pleinement s'exprimer. C'est un cheval de qualité, à mon avis, seul son numéro 9 peut l'empêcher de jouer la victoire, lui qui se recommande d'un chrono d'une 10 et fraction sur ce parcours. Numéro 9, Call Me Keeper, mon préféré. Ce sera une affaire de déroulement de course. J'aime beaucoup également le numéro 14, Sauveur, un Scandinave de qualité. C'est vrai qu'il n'a pas couru depuis le mois d'août, mais sachez que le cheval est venu s'exercer plusieurs fois à Vincennes au cours des dernières semaines. Sachez également qu'il se recommande de sérieuses références, notamment des places de deuxième obtenues derrière Bird Parker ou encore Propulsion, sans oublier Uranus à l'occasion d'un printemps effectué en Scandinavie. Numéro 14, Sauveur, également un cheval de qualité. Malgré son numéro en deuxième ligne et en dehors, et malgré le fait qu'il effectue une rentrée, je pense capable de terminer sur le podium. J'aime également beaucoup le numéro 6, Arras Diboko, toujours un gamme malgré le poids des années. Le cheval compte une victoire et 6 places en 8 quintés disputés. Sachez également qu'il affiche 2 sorties sur le tracé qui nous intéresse pour une victoire et une place de deuxième. De quoi en faire une bonne base pour le quintet. Le numéro 8, Beaugamin, lui n'a pas gagné depuis le mois de juillet 2015. Mais attention, c'est un cheval de qualité qui collectionne les places d'honneur au plus haut niveau, que ce soit au groupe 1 comme au niveau groupe 2. Dans ce lot, il devrait une nouvelle fois terminer à l'arrivée. Sa place est parmi les 4 premiers. Attention également au numéro 11, Orient Horse, l'une des révélations de ce dernier semestre. Le cheval, lors de ses 9 derniers parcours, a enregistré 8 podiums, dont 6 victoires. De quoi, ici, lui accorder crédit, même si l'opposition a fière allure, il devrait pouvoir répéter et jouer une bonne valeur. Le numéro 2, Sugar Ray, un cheval italien qui ne manque pas de référence sur les parcours de vitesse, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Le cheval a terminé notamment 3e du prix Douanel de Saint-Quentin, épreuve de groupe 2, où il terminait dans le sillage de Beaugamin. Donc dans ce lot, ce cheval doit pouvoir également tirer son épingle du jeu. Pour les places, on retiendra le numéro 3, Tropique du Hêtre, bien connu à ce niveau. Sachez qu'il a terminé 4e sur ce tracé du prix de Bois, épreuve où il devait partir en deuxième ligne, cette fois-ci il part en première ligne. C'était une épreuve où il terminait dans le sillage d'Arras Diboko. Une nouvelle fois, une place semble en mesure de lui revenir. J'ai également retenu numéro 13, Justiofort. Elle me semble barrée pour le succès, mais elle va patienter, elle sait finir vite. Et à ce petit jeu-là, si le rythme est soutenu, il devrait l'être, elle peut venir chercher une bonne allocation. En cas de non-partant, on citera le numéro 15, Boeing du Bocage, qui restera ferré, contrairement à ses meilleures prestations, et que je préfère également sur les parcours de tenue. Résumé chiffré, le 9, Call Me Keeper, le 14, Sauveur, le 6, Arras Diboko, le 8, Beaugamin, devant le 11, Orient Horse, le 2, Sugar Ray, le 3, Tropique du Hêtre, et le 13, Ustiofort, un quintet qui semble a priori facile à déchiffrer et qui devrait, à mon avis, sourire aux favoris. Toujours Vincennes, Réunion 1, dans le prix de Tonac-Villeneuve, une épreuve estampillée groupe 2, nous avons départ 2 chevaux de qualité pour cause, le 305 Diego Duguelier et le 311 Django Reef sont sur les rangs, respectivement affichés 1er et 2e du critérium des 3 ans récemment. Ils doivent pouvoir une nouvelle fois s'expliquer pour la victoire. Sachez toutefois que Django Reef, double vainqueur de groupe 1, possède davantage de références sur le tracé qui l'intéresse. Il affiche en effet 3 victoires en 5 prestations. Dans cette épreuve, pour le trio, pourquoi pas leur associer le 10 Dollar Baker, confirmé et régulier à ce niveau. Le 302, c'est Diablo de Noyer qui me semble également en mesure de prendre une bonne place. Lui qui avait été le dauphin de Django Reef dans le prix Jacques de Vologer, c'était sur plus long. Concernant maintenant le prix du Calvados, l'autre temps fort de cette réunion dominicale, on devrait une nouvelle fois assister à un match à deux avec les cadets. Le 506 Bellissima France, que l'on ne présente plus, elle a remporté le prix Normandie notamment, avant de s'adjuger le prix Joseph Lafosse, épreuve de groupe 2, et le prix Jules Lemonnier plus récemment, où elle devançait à la toute bonne Scarlett Turgot. Elle est au sommet de son art et de une nouvelle fois jouer les premiers rôles. Le 506 Bellissima France, son principal opposant sera son contemporain, le 505 Billy Billy, qui retrouve d'ailleurs le tracé sur lequel il a fait sien le prix du président de la République, parcours des 2850. Donc 506, 505, deux bases a priori solides pour ce prix du Calvados, une épreuve qui pourrait servir de tremplin vers le prochain prix de Cornulier. Pour les places, pourquoi pas penser, et pour les multitrios, ou au 509 Attentionnel, qui avait
remporté le prix Edmond-Henri, une épreuve de même Maccabi. Le 510 Vélos du Banel, 512 Néné d'Aiglieu-Lévy, confirmé à ce niveau, sont également de la partie, eux qui ont formé le couplet gagnant du prix Paul Buquet, une épreuve également estompée groupe. Nous avons également la présence du 511 Texas de Liton, qui n'est autre que le tenant du titre. Bref, derrière le 6 et le 5, les places peuvent revenir au 9, au 10, au 11 ou au 12. Bref, une épreuve ouverte, pourquoi pas tenter des champs réduits dans ce prix du Calvados. Dans la 6e, on attendra une confirmation du 610 Bibefofort qui vient de s'imposer sur ce tracé le 29 décembre. Il devra toutefois redouter bien sûr le 616 Blackatou qui reste sur 3 places au 3e. Et devra pouvoir confirmer, mais attention également au 614, Carabinieri, un cheval qui fait l'objet de bruits favorables, et un cheval qui était déjà produit sur notre sol, notamment l'hiver dernier où il avait pris la 3e place du prix de Picardie sur la grande piste, donc pas de problème de grande piste pour ce Carabinieri. Sachez qu'il reste sur 3 victoires en Suède et qu'il revient en France avec des ambitions, en tout cas il fait l'objet de bruits favorables, 610, 616 et 614. Concernant maintenant la réunion 2 sur l'hippodrome de Cordemais, dans la 3e, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Abraham Hubertus Post qui présente le 309 Chouchou du Roc. Le cheval est beaucoup mieux, beaucoup plus sage depuis qu'il a été castré. C'est un cheval de qualité. Il reste sur 2 places de 2e sur le pont de Nantes. Il ne manque pas de tenue. Son entraîneur est confiant, voire même très confiant. Le cheval est capable d'aller devant comme attendre. A mon avis, il peut aller très loin et pourquoi pas s'imposer dans ce lot à belle cote. Donc le 309 Chouchou du Roc à retenir en priorité au dire de son mentor. On lui associera le 314 Crack de Bannes, un cheval qui est certes plus confirmé sur le tracé corner droite, mais c'est un cheval de qualité. Outre sa disqualification enregistrée dernièrement à Vincennes, il avait auparavant signé 2 probants podiums sur les pistes d'Angers et de Cabourg. Donc 309, pourquoi pas tenter un jumelé avec le 314. Abraham Post qui présente également le 710 d'Ikaya Pride. Elle a débuté victorieusement sur l'hippodrome d'Amiens, de quoi ici lui valoir des supporters. Mais attention, j'ai senti un entraîneur assez réservé. C'est vrai qu'elle a le potentiel pour faire une nouvelle fois l'arrivée, mais en raison du gel, il a sauté quelques exercices à la maison et elle pourrait être mieux que cela physiquement. Donc petite note de réserve concernant le 710, sa deuxième représentante au départ de cette réunion 2 à Cordemais. On va mettre toujours à Cordemais, oui c'est bien cela, j'aime beaucoup le 507 Vital, Emeric et Arnaud m'ont avait dit du bien, le cheval est confirmé à ce niveau, il est bien drivé, un amateur efficace, et dans ce lot je le pense capable de profiter de ce bel engagement, une épreuve réservée aux chevaux de 8 ans et plus. Donc pour Cordemais, réunion 2, surtout le 309 Chouchou du Roc et le 507 Vital. Concernant Cagnes, réunion 3, je vous le disais, réunion de gala sur la piste azuréenne. Nous avons en première le 102 Ciblou, tombé dernière fois, il faut le reprendre. Un cheval qui a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. Le 106 Capharnaüm mérite également crédit. Le cheval vient de se classer deuxième d'un quintet sur les haies de Cagnes. Il revient ainsi sur le steeple avec des ambitions. 102-106. Dans la deuxième, je vous conseille le 101 Baronne d'Anjou. C'est une pouliche estimée par Laurent Vielle. Elle a été réservée pour le meeting. Elle affiche 2 places de deuxième à l'occasion de ces 2 dernières sorties sur les haies cagnoises. À mon avis, c'est une première chance. Je lui associerai le 206. C'est Lovely Valley qui vient de terminer en son sillage, 3e dernièrement, le 25 décembre. On passe au Grand Prix de la ville de Nice, une épreuve de groupe 3. Nous avons au départ un certain Saint-Pistole, le 401. Le cheval a été jugé digne de participer aux 2 dernières éditions du Grand Steeplechase de Paris, preuve de sa qualité. Il s'est d'ailleurs classé 3e en 2015. Il vient d'effectuer une course de rentrée encourageante sur les haies de Cagnes. Il revient ici sur le steeple avec des ambitions, même s'il lui faudra rendre du poids au 406 Mallorca, au 402 Karel Cetic et au 403 Maïmage, respectivement affichés 1er, 2e et 4e de l'épreuve préparatoire, le prix du comté de Nice, Listed Race disputé dernièrement sur cette piste. Donc le 401, mais plutôt le tenter à mon avis en couplet avec le 6, le 2 et le 3. Le prix Christian de l'Ermite, épreuve Listed Race, méritera également le détour. Le 605 Bird Parker m'a bien plu à l'occasion de son succès enregistré dans le prix UCLO 2. Ce jour-là, il s'imposait très facilement. À mon avis, il faut lui avoir une première chance dans ce prix Christian de l'Ermite, Grand Steeplechase des 4 ans. Je lui associerai bien sûr le 604 Ferrano, son dauphin dans l'épreuve référence. Mais attention, Ferrano a été battu à la régulière et aisément par le 600. Yumshine qui avait été 7e de ce prix UCLO 2 mais qui depuis a pris sa revanche en s'imposant facilement dans le prix André Adèle. Donc attention dans la 6e à Yumshine, à également à Bird Parker. Donc mes préférés, 605 Bird Parker et pour la 6e Yumshine, j'ai un doute sur son numéro, vous vérifierez. Donc Bird Parker dans la 6e avec Yumshine. Concernant cette 6e également, je vous conseille dans le couplet d'inclure le 603 Gold in Love qui a terminé 2e de Listed Race, c'était sur l'hippodrome d'Anguin en fin d'année dernière et qui me semble ici en mesure de compléter le podium. Donc le 605 Bird Parker
mon préféré. Je lui associerai Yum Shine, vous vérifierez son numéro, et également le 3, Gold in Love. Voilà pour les nombreuses infos de ce dimanche 8 janvier. Très bon jeu à tous, bonne journée, et à très bientôt sur Direct Course.